Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse ou je suis pris par ce que je fais, j'oublie tout. Quand je parle l'anglais, j'ai plus aucun tic. Mais c'est quand je fais une amour avec des personnes, j'ai pas de tic. Probablement parce que l'ensemble de l'activité cérébrale se consacre à une tâche particulière, mobilisant l'ensemble des énergies, focalisant, si vous voulez, tout sur un but. Et à ce moment-là, ces parties du cerveau, on peut imaginer, c'est une interprétation, mais qui contribuent à la genèse des tics, restent au repos, donc ça ne passe pas. Quand je dors, je pense que le corps, quand on dort, c'est le seul moment où on se repose, quoi. Parce que quand on dort, on n'est pas en état d'éveil. Et je veux dire, c'est au moment où on se réveille, on fait trois pas, trois activités, hop, ça revient. Et ça rentre dedans, et ça, bon, c'est insupportable. Ces malades ont aussi ces symptômes très curieux qui sont la coprolalie, c'est-à-dire de dire des gros mots. C'est des tics vocaux, en fait. Himak. Oh, ici en France, j'arrive à vivre parce que... Oh, en Algérie, les gens ne comprennent pas ça et disent que c'est une folie, c'est ça, c'est merde. Ici en France, il n'y a personne qui m'embête. Ah dans beaucoup de cas, quand on écoute attentivement les gens, ce sont des insultes qu'ils s'adressent à eux-mêmes.